Bonjour à tous, et comme vous le voyez, une nouvelle intro, parce que pourquoi? Parce que c'est du Gotham City Imposters, et pourquoi, vu que c'est un banal gameplay multijoueur, oui, c'est totalement banal, les gameplays commentés, pourtant, je continue d'en faire, pourquoi? Bah, parce que je sais que vous aimez ça, souvent, et parce que, pour une fois, je peux peut-être dire qu'il y a un jeu multi que je pourrais montrer, parce que Assassin's Creed, il joue pas très souvent, disons-le, et là, Gotham City Imposters, j'ai fait beaucoup de vidéos, des vidéos délire, des vidéos que... On me réclamait avant, et bizarrement, maintenant, j'ai l'impression que plus personne n'a rien à foutre. Enfin, bon, c'est pas grave, parfois, je vais pas chercher des explications, tant pis. Du Gotham City Imposters, parce que pour une fois, je peux peut-être dire que je viens de me faire péter la gueule, là. Je ne commente pas en live, je commente en différé, mais peut-être que maintenant, je vais commencer à commenter en direct, parce que vous voyez, je commence à avoir un certain niveau, comme je l'avais dit dans... Je sais plus si je l'avais dit, enfin, peu importe. Je commence à avoir un certain niveau, et... Enfin, certains, ça ne veut rien dire. Enfin, dans cette partie, on va atteindre des scores qui sont, je pense, intéressants. Je veux dire, il y en a beaucoup des gens qui jouent comme moi à ce jeu, parce que ce jeu est fréquenté par beaucoup de casual gamers, vu que c'est un free-to-play. Et donc, c'est facile de battre des casual gamers sur un FPS aussi rapide et aussi what the fuck que celui-ci. Voilà, donc, comme... Bah, pour ceux qui connaissent pas, je vais encore raconter, hein. Donc c'est Gotham City Imposters, donc c'est un FPS totalement arcade, on incarne des imposteurs du Joker ou de Batman qui se foutent sur la gueule à Gotham City, hein. Donc là, par exemple, je suis à l'asile d'Arkham, enfin, c'est des petites cartes, on joue qu'en deathmatch parce que malheureusement les gens ne veulent jouer qu'en deathmatch, hein. Impossible de trouver des parties sur les autres modes de jeu, et donc bah je joue... Enfin, pas exclusivement, mais j'aime beaucoup jouer avec le sniper, sachant que parfois je change les modes et je teste, hein, silencieux, lunettes fois 4, faut changer parce que ça fait plus d'XP quand on fait des kills avec d'autres modes sur les armes. Donc voilà, ouais, un petit temps. Donc là, vous vous dites c'est de la chance, mais au bout d'un moment c'est plus de la chance parce que mine de rien j'en mets beaucoup, des petits trucs comme ça, la trampoline, snipe et tout. Alors je vise, en général j'essaie de viser la tête, parfois j'arrive pas, ou parfois j'essaye et du coup je touche pas du tout parce que je me suis trop concentré. Donc là j'en suis à 5 kills, alors je vais pas faire des séries de mad, je vais mourir dans cette partie malheureusement, mais voilà. Et mon arme secondaire c'est le veilleur, c'est un petit pistolet mitrailleur, pareil parce que bon, j'ai joué au fusil d'assaut jusqu'au niveau 53 et au bout d'un moment je me suis dit qu'il fallait changer, et j'ai par contre, oui, comme d'hab, les balles perforantes sur le veilleur, et sur les snipers j'ai le frein de bouche, puis après je changerai, après je mettrai le silencieux sur le veilleur pour... voilà, pour débloquer les autres, parce qu'en fait à chaque fois vous terminez, vous faites 50 kills avec un type d'arme, vous débloquez un skin pour cette arme, enfin une peinture quoi, donc voilà, c'était drôle. J'aurais pu faire mieux que ça, vous allez voir qu'il y a aussi un truc que j'essaie de faire en partie parfois, c'est qu'en fait il y a, en fait ouais, chaque arme, chaque gadget a des... Il y a des actions à faire avec, et moi je ne joue qu'au grappin, et à part la distance à parcourir, au grappin il y a une autre chose à faire, c'est de faire des kills avec le grappin, et c'est très marrant à faire effectivement quand on est au corps à corps et qu'on a économisé toutes les balles et tout, qu'on n'a pas le temps de switcher, et bah le grappin du coup se révèle très utile, autant que le couteau, enfin sauf que le couteau c'est qu'au corps à corps, le grappin je peux tirer à distance, et vous allez voir en fait c'est trop pratique. C'est pour ça que je vois pas comment pouvoir jouer autrement qu'au grappin, parce que le grappin c'est vraiment l'outil, enfin si tu es quelqu'un on se déplace plus rapidement. Or, jouer à la tyrolienne pourquoi pas, mais atterrir sur quelqu'un c'est beaucoup plus dur que de viser dessus avec le grappin, je trouvais. Donc voilà, je joue au snipe et c'est un Némésis, ouais, ça y est, donc ça veut dire que j'ai dû en persécuter un, donc là, bon, parfois je me fais tuer aussi, hein, faut voir, faut dire, voilà, il y a beaucoup de gens qui jouent comme moi, qui jouent au sniper et qui ont chez... C'est vrai que moi j'aime bien jouer un petit peu à la mode, entre guillemets, un peu à la Call of, à essayer de faire des flashscopes, quoi, de viser le moins possible. C'est vrai que si on vise, si on veut plus jouer comme dans Team Fortress, parce que dans Team Fortress il faut viser pour que le coup soit maximal, ça peut aller très bien. Donc là, vous voyez que le cadeau, je lui laisse, je suis généreux, vous, si vous jouez au jeu, ne soyez jamais généreux, sachez qu'on peut avoir jusqu'à 25 000 XP dans un cadeau, c'est plutôt pas mal. Ce jeu 25 000 XP, c'est par exemple aussi les crédits qu'on gagne dès qu'on a terminé tous les défis de chaque arme, enfin non, enfin d'une arme. Par exemple, si j'ai, avec le sniper, si j'ai fait, si j'ai tué 50 ennemis à la fois, avec la lunette x4, avec le silencieux, avec le frein de bouche, avec les balles perforantes, avec le détecteur des ennemis, le détecteur odorant et tout, ça fait beaucoup, 5, et à chaque fois faut changer et tout, ça vous fait 25 000 XP, mais ça peut être trouvé en un cadeau. Ah, là je l'ai loupé, c'est pas bien. Et je suis en train de me faire tirer dessus, c'est dommage. En plus, dans ces parties, je sais pas pourquoi les gens arrêtaient pas de quitter, revenir tout le temps, il y a des gens qui quittent. Heureusement, la partie s'est jamais terminée. La partie d'avant était marrante et j'ai.
Ça a quitté. Mais c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit que je jouais un peu à la Call of, mais c'est vrai que j'ai retrouvé les sensations. Je veux dire, à un moment donné, j'ai pris une classe personnalisée dans laquelle il y avait la hache, et j'ai fait un coup de hache comme ce que je disais à l'époque où je jouais à W2, across the map quoi. C'est-à-dire que j'ai vu à peu près où était l'ennemi, j'ai visé au-dessus d'un truc et paf, ça m'est tombé dessus. J'étais trop bon. C'est comme dans tous les FPS arcade, il y a à la fois la chance et la connaissance de la map, de la position des joueurs aussi. Alors là, sur cette map, on peut pas trop s'en rendre compte, mais au bout d'un moment, il y a la carte que je crois que j'avais déjà montré en vidéo, c'est 25e étage, là, celle qui est en haut d'une tour, et tout, il y a juste une salle principale et des couloirs. Cette salle, quand on commence à comprendre comment, enfin, cette carte, quand on comprend comment elle marche, on se fait plus jamais piéger. Voilà. Et donc là, d'ailleurs, il y a souvent dans cette partie où bah, vous n'êtes peut-être pas vous en rendre compte, où je me fiais au bruit aussi pour savoir d'où venaient les ennemis. Souvent, j'entendais des bruits de pas. Bah, là, par exemple, j'entends le roller. Hop là, je me retourne. Bon, le gars est pas très doué là. Bon, il essaie de m'avoir au katana. C'est pas très facile à jouer le katana, mais bon, j'ai quand même eu de la chance qu'il m'ait loupé et je le tue au grappin. Mais il a bien dû rager parce qu'il me sautait dessus depuis tout à l'heure et il n'arrivait pas à m'avoir quoi. Et vous voyez que la partie, quand même, on est très serré là. Il y a 31, 31 égalité. C'est étonnant quoi. Puis il y a ce skinosaur, donc là vous voyez, donc lui il a la défense, c'était chaud, il avait bouclier. Et vous voyez donc pourquoi varier les armes, pourquoi varier les modes, bah c'est pour avoir plus d'XP à chaque fois et ça me réussit plutôt bien. Voilà, bon, le grappin au final il y a toujours beaucoup beaucoup. C'est long, hein, j'ai joué qu'au grappin quasiment depuis le début et vous voyez que j'ai pas encore fini tous les. Comment ils appellent ça, les tours de force du grappin. J'ai encore des distances à parcourir, mais c'est normal, hein, j'ai même pas atteint le niveau 100 alors qu'il y a 1000 niveaux dans le jeu. Voilà. Mais en général, ceux qui atteignent le niveau 1000, c'est des hacks. Hein. Moi, j'ai déjà vu des parties de hackers, j'ai même vu des vidéos où le gars, dès qu'il tue, ça fait 1000 points, ou genre où le gars, il va plus vite, ou. Bon, bref, il y a des gens qui ont réussi à, je sais pas comment, à tricher. Enfin, ça arrive hein, souvent des jeux comme ça sur Steam et Free to Play, il y a des gens qui piratent. Bon, cette partie là, que vous voyez, elle était cool parce qu'il n'y avait pas. Il y avait un gars qui jouait au katana. Mais il n'y avait pas les gens qui jouaient avec les boules électriques, et ça c'est trop chiant les gens qui jouent avec les boules électriques. Mais de toute façon, sur cette carte, ils n'auraient pas pu faire grand chose avec les boules électriques. C'est plus ce 25e étage là. Ouais, il n'y avait pas les boules, il n'y avait pas trop. Enfin, il y avait quelques balèzes, quelques puissants avec les. Ouais, quelques katanas, mais bon, globalement ça allait. Donc là, j'ai fait 11 kills, j'ai eu plus de 1600 points, j'ai le carnage, et le carnage, bah, c'est un bonus de défense là pour cette classe qui est activée. Donc la sniper, là, vu que j'ai le skin féminin, là, le skin agile. J'ai trouvé mon premier défense et là je l'active par exemple, parce que là je vois qu'il y a 3 gars face à moi, bon plus que 2, et du coup je l'active. Et vous voyez que ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie, j'ai que 53 points de vie là. Et là le truc c'est qu'il faut que je boive, et j'ai pas pensé à boire, en fait ma boisson énergisante qui remonte la vie, j'étais trop concentré sur mon truc, du coup je me suis fait tuer bêtement, mais là je regarde en commentant différé, j'ai vu que ma vie était à 53%, mais en vrai dans le jeu tout va tellement vite qu'on, enfin moi je regarde pas tout le temps la jauge de vie quoi. Par contre je me suis habitué de plus en plus regarder, c'est la map en haut à gauche là, parce que ouais, quand les ennemis on les voit, bah on sait où ils sont, et voilà. Et dans tous les jeux, il faut toujours s'habituer à regarder la map, surtout quand elle est disponible, surtout dans un jeu comme ça, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent avec les silencieux, donc ça vaut largement le coup. Nemaosaurus Rex, ton pire cauchemar. Alors ça, c'est les trucs de Nemesis. Nemesis, c'est quand, bah, quand on fait des séries de kills sur un gars en particulier, je crois, en gros, dès qu'on persécute un gars tout le temps le même et tout. En plus, ça correspond à mon profil psy, c'est bien le Nemesis. Par contre, moi, quand je suis moi Nemesis, je perds des points. Le profil psy, j'avais déjà montré, c'est un truc qu'on active qui correspond à notre style de jeu, quoi. Hein, si par exemple on sait qu'on perd souvent des parties, bah on peut mettre que on gagne des points bonus dès qu'on a perdu la partie. En gros, c'est comme un pari. Bon, là, j'ai eu très très chaud. Moi, avec la boss énergisante, je m'en sers toujours. Et bah, fin de temps, voilà quoi. Je pourrais penser que c'est un peu cheaté, mais bon, ça compense le fait que je suis en agile, que j'ai pas d'armure, que j'ai très peu de points de défense par rapport à ce gars-là qui j'en mettrais une balle dans la tête. Donc voilà quoi. J'ai pas de raison. Après tout, c'est quand même mon objet de soutien, donc je m'en sers. Et donc là, hop, à nouveau, grappin. Vous voyez, dès que je suis comme ça avec un corps, donc là, par contre, un grappin encore. Et ça tue en un coup, c'est ça le pire. Peut-être qu'il était blessé, hein, mais là, j'ai quand même one-shoté au grappin. Et je fais ça aussi pour avoir, bah ouais, bon, comme j'avais dit, l'XP hein, du grappin. Donc là, j'ai l'impression que tout le monde s'acharnait sur moi. C'est peut-être pas une impression, je sais pas. Et vous voyez, les séries de kills, là, je suis qu'à 5, quoi. Bon, en fait, j'ai fait beaucoup de petites séries, mais j'ai pas fait la grosse série. Bah, tout à l'heure, je sais plus comment j'ai fait, j'ai dû faire 14 tout à l'heure, hein. Donc même pas 13. J'étais à 11, j'en ai tué 2, ouais, enfin bon, j'ai pas regardé, j'ai pas compté. Même si ça s'affiche à droite, ça c'est cool. Alors j'aime bien faire ça, ce qui est dommage, c'est qu'il est pas mort, j'aurais peut-être dû viser la tête.
Mais de toute façon, je sais qu'il arrive là et boum, voilà. Y a aucun souci. Là, c'est la fin de la partie. Je n'ai plus de vie, je vais pas. 21 points. Je vais pas terminer sur une mort, je bois. Et la partie termine. Et ouais, du coup, c'est dommage parce que c'était tellement serré qu'on n'est même pas arrivé à 75. Normalement, il faut arriver à 75. Hein, bon, peut-être que c'est moi qui ai tout fait. Du coup, les points, je sais pas. Bon, le troisième, c'est un. Bon, au score 15 720. C'est très. Enfin, moi, je trouve que c'est élevé. Je suis content. Pour ceux qui connaissent le jeu, voilà. On entend le bruit du screenshot de Steam que j'ai fait. Mais en fait, j'ai raté mon screen. J'ai pire que la fin. On s'en fout, c'était en vidéo. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit que je pouvais me proposer. Pour les gens qui aiment les FPS en multi, bah voilà, au moins je pourrais vous proposer ce jeu. Plutôt que Battlefield. Battlefield, pour faire des vidéos, il faudrait vraiment que je reprenne le niveau et ce serait compliqué. Allez, salut tout le monde.